Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Playmobil Mania. Nous restons dans l'univers des pirates, la nouvelle gamme de 2023 avec le set 71-418, riche de 101 pièces et 3 personnages. Voilà. Un set taille moyenne, un tout petit peu plus grand. Acheté au prix de 40,79 € sur le net. Voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Pas mal de choses, hein. Pas mal de petits accessoires. Et au dos, les différents gadgets, hein. Vous avez donc les canons. Vous avez aussi la voilure et vous pouvez ajouter un moteur si vous le mettez dans l'eau, enfin vous mettez sur l'eau, pardon, excusez-moi. Et donc encore une présentation de la gamme. Alors ce bateau, ou plutôt devrais-je dire cette chaloupe, c'est un petit esquif pour voyager. Il ne s'agit pas d'un vaisseau de pirate à proprement parler, puisque le vaisseau de pirate est beaucoup plus grand en taille. Voilà, et comme toujours, nous avons le livret d'assemblage qui, pour une fois, est plutôt grand en taille. Donc, avec une présentation de la gamme, avec les personnages principaux. Et les différentes étapes pour constituer le vaisseau, enfin je veux dire la chaloupe, excusez-moi. Donc il y a très peu d'autocollants à mettre, hein. Il y en a 5 au total, et tout ce concerne en fait la décoration. Voilà, nous avons au dos le reste de la présentation. Voilà. Alors la chaloupe, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Elle est assez colorée. Bon, des gammes pirates chez Playmobil, il y en a déjà eu beaucoup. Celle-ci ne fait pas exception à la règle. C'est au niveau du modèle, c'est quasiment le même. Donc ce qui change, c'est au niveau de le design et des couleurs qui sont un peu plus coloré, hein. Et je vais vous montrer le résultat final. Voilà, un très très beau vaisseau, hein. Vraiment magnifique au niveau taille. Bon, il a l'air comme ça petit, mais plutôt grand quand même. Donc, les personnages principaux, hein, la reine des pirates. Et le personnage principal de cette gamme, Manta Hunter Miles, donc équipé avec son sabre, avec la carte au trésor. Vous avez le perroquet, hein. Pas de pirate sans sa mascotte. Hein. Voilà, c'est joliment fait, hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est donc à l'encre. Là, vous avez un système qui permet d'envoyer les boules de feu. Vous avez un coffre au trésor. Vous avez aussi une boussole. Toutes sortes d'ustensiles. Voilà. Au niveau des voilures aussi. Non, c'est franchement, c'est vraiment bien fait, c'est joli. C'est assez sympa, c'est coloré. Je trouve que là, pour l'instant, Playmobil a fait un sans faute avec cette gamme. Là, cette première vague est assez sympa. La deuxième va être assez spectaculaire. Il y aura vraiment un vaisseau de pirates un peu plus grand. Et encore de nouveaux monstres.
En tout cas, si vous aimez les pirates et les Playmobil, vraiment, celui-là, je vous le conseille. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une vidéo de Playmobil Mania. Au revoir.